Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo haul de ma chaîne. Mon copain est parti faire les magasins, oui, tout seul. Mais il est revenu avec des sacs pour moi. Il est revenu avec un sac Pinky et un sac Yves Rocher. Et il faut que je vous montre ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, de chez Pinky, il m'a pris ça. C'est deux carnets de notes en fait pour que je note toutes mes vidéos. Alors où je les ai postés, mes petites idées, etc., etc. Voilà. Donc ils sont, il y en a un brillant et un peu marbré. Hop, voilà. Et le deuxième est tout simple. Voilà. Mais genre je suis trop contente. Bon, pour l'instant je me sers que de celui-ci, mais j'en voulais trop. J'avais été voir l'espace culturel, mais l'espace culturel c'est genre un bloc-notes c'est 10 euros. Ensuite, toujours de chez Pinky, il m'a ramené ceci. Donc c'est une écharpe. Là, il y avait déjà le nœud de fée, mais je peux très bien enlever le nœud. Voilà, avec des petits cœurs bleus. Et elle est noire, transparente. Elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Pareil, je ne peux pas vous dire le prix. Mais il m'a juste dit que c'était les anciennes collections. Parce que la nouvelle collection était moche. Désolée Pinky. Hein, mais celle-ci, franchement, moi, je l'aime trop, hein. J'en avais pas en plus, j'avais qu'une écharpe qu'on m'a offert à Noël. Il m'a ramené autre chose. Mais alors là, trop marrant. J'ai pas compris. Mais je suis trop contente parce que je les aime trop. Tout ce qui est un peu pilou et tout ça, j'aime trop. Mais là, j'ai pas compris. Des chaussettes. Ouais. Bon. Pourquoi pas, hein. Mais vous savez, elles sont comme ça, là. Elles sont trop belles. Moi, j'aime trop les chaussettes comme ça. Elles montent super hautes. Donc, d'ailleurs, j'ai pas compris parce que là, ils disent que c'est des sequettes. Mais bon, vous voyez quand même que c'est des vraies chaussettes, hein. Ensuite, il m'a offert une autre écharpe que j'aime trop d'amour de ma vie. Je l'aime trop. Elle est comme ça. Bon, je vous l'ouvre pas entièrement parce que... Elle est un peu longue. Hop. Elle est bordeaux. Attendez. Bordeaux noir et crème. Voilà, voilà, elle est trop belle. C'est comme ceci. Elle est trop belle d'amour. Je vais pas la coller contre mon visage parce que je viens juste de me maquiller. Là. Entre nous, hein. Mais franchement, elle est trop belle. Alors, il m'a offert autre chose de chez Pinky. De l'ancienne collection aussi. Mais je l'aime trop. Faut que je monte. Donc c'est un pull, voilà, il est rouge bordeaux, il est plus bordeaux, un peu couleur pourpre en fait, je sais pas si il est pourpre ou bordeaux, il est bordeaux je pense, donc ça doit être ça en S, donc moi en fait j'aime bien les pulls pardon, qui tombent et je me suis dit S ça va être carrément serré et en fait trop pas, il tombe super bien, il est trop bien, alors c'est les petites images ce sont des flèches avec écrit Wild. Voilà, les petites flèches en relief. J'aime trop mon pull. Franchement, il va bien. Alors, il m'a acheté aussi deux jeans, mais je vais pas vous le cacher. Ils sont à laver parce que je vais les mettre demain. Enfin, je veux le mettre demain et l'autre, je l'ai déjà porté. Parce que ça fait déjà depuis le 5, hein, donc ça fait un petit bout de temps. Et j'avais trop du mal à les laisser dans le sac et j'arrivais pas à faire cette vidéo. Donc je vais pas vous mentir, donc c'est un jean bleu et un jean un peu plus bleu clair, pareil de chez Pinky. Donc je suis trop méga contente. Franchement je suis trop méga contente de ce qu'il m'a offert. Il s'est même pas trompé. Ah oui aussi, sur une de mes vidéos, normalement ça va être sur la vidéo de lundi du début de la semaine. J'ai un petit haut gris avec un col blanc, il me l'a également offert, il venait aussi de chez Pinky. Enfin, j'étais trop contente, mon copain connaît mes goûts par cœur. Franchement, personne ne peut tester, je vous promets, j'étais vraiment trop contente. Il m'a ramené ça. Hop. C'est un petit coffret, enfin, un bon coffret pour le bain de chez Yves Rocher. Donc j'ai pas pu tout regarder ce qu'il y a au fond, mais je sais qu'il y a une bougie, il y a une huile pour le corps, là il y a un gant exfoliant, un baume pour les lèvres, un baume pour les, enfin une crème pour les mains, une sorte de gel douche avec des grains dedans pour exfolier la peau, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un autre gel douche normal et ah bah derrière j'arrive pas à voir c'est quoi, c'est je sais pas. Je
suis une fanatique de bain. C'est-à-dire que pendant 9 mois, pendant ma grossesse, j'ai passé ma vie à prendre des bains. Quand on accouche pendant un mois, on ne peut pas prendre de bain. Donc, je n'ai pas pris de bain pendant un mois. Mais le jour où j'ai pu reprendre un, les meufs, mais je vous assure, c'était genre. Oh. Donc, je suis trop contente, le packaging il est magnifique, genre limite, j'ai même pas envie de l'ouvrir. Hop, dans le sac de Yves Rocher, il y avait aussi un petit paquet comme ça. Alors désolée pour mes ongles effacés parce que c'est des ongles posés enfin, avec du gel et j'arrive pas à les enlever. Donc j'essaye petit par petit, je suis désolée, ça fait répugnant, mais genre atroce. Mais c'est soit ça, soit je vais les garder 100 000 ans et je peux plus les garder, ils se cassent, ils sont moches. Donc dans le sac Yves Rocher, il y avait ceci. Donc c'est les petits sacs qui s'appellent Bienvenue. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc je l'ai déchiré, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que je me suis dit, je vais l'ouvrir avec vous. Ça c'est sûr, ça devait être des petits échantillons. Alors oui, bon c'est sympa. Nous avons un de l'eau micellaire sensitive. De la crème hydratante. Voilà. Et nous avons deux échantillons d'après-shampoing brillance intense cheveux terre. Donc ces trois petits échantillons comme ça. Je vais les essayer de toute façon. Mais là, je viens de voir quelque chose. Je n'ai pas compris. Hein. Alors, vous êtes prêtes? Ensemble, partageons notre passion du monde végétal. Et on se retrouve avec des petites graines si vous voulez planter des petites fleurs. Ça vous tente? Non, parce que je vous les donne carrément quoi. Voilà. Et là, on va passer au côté vêtements de Anna de la semaine. Première petite tenue. Nous l'avons payée 18 euros avec mon copain à Kiabi. Parce que Kiabi, sincèrement, c'est le repère de toutes les mamans. Les prix sont extra, la qualité est cool. Et puis le choix est large. Papa a craqué sur cette petite tenue. Je ne suis pas super fan, mais elle est mignonne. Des petites manches à petits pois. Je sais pas si vous allez voir ce que avec la lumière. Voilà, c'est un petit lapin avec ses petites fesses en relief. C'est une robe. Et en dessous la robe, nous avons là, le petit leggings qui va avec. Alors là, tous les vêtements, c'est que du 3 mois. Parce qu'en un mois, on est blindé de chez blindé. Et en 3 mois, on était pseudo blindé. Mais vaut mieux trop que pas assez. Encore une fois, c'est ma petite devise de maman, ça. Alors. Nous avons pris un pull en 3 mois. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le prix dessus. Par contre, donc, du coup, je ne saurais pas vous dire combien on l'a acheté. Mais ça ne doit pas être excessivement cher. Donc, hop, c'est un petit pull comme ça, avec écrit Love en paillettes. Tout simple. Pour 4 euros, nous avons pris ce petit haut-là aussi. Ah, hop, en 3 mois, ça a changé. Donc, c'est un petit chat. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai trouvé un haut, mais je l'aime trop. Il est trop beau, pareil pour 4 euros. D'ailleurs, j'ai pris une petite tenue pour aller avec. Oh, il est trop beau. Attendez. Mais viens ici. Regardez-moi ce haut, toujours de chez Kiabi. Hein. Youp. Donc allez, je vous mens pas. 4 euros. Hop. Il est blanc avec une petite licorne. Et c'est écrit My Magic Licorne. Non, My Magic, une licorne. Hop, elle est trop belle. Il y a des petites paillettes partout. Je sais pas si vous allez voir. Des petites paillettes. J'aime trop l'intérieur, les petits détails jaunes. Voilà. Toujours, il se ferme derrière. Et pour aller avec ceci, oui, c'est pour moi. Le papa a trouvé un sort de petit Triggins. Donc, c'est ce que je mets souvent à Anna. Là, on lui apprend 3 mois, pareil. Il est un peu bleu turquoise, donc pour 5 euros, enfin c'est même pas un peu, c'est il est bleu turquoise tout simplement. Et regardez, genre ça ferait pas trop bien. Attends. Youp. Mais je vais jamais arriver à vous montrer. Voilà, ça ferait pas trop joli. Trop belle, j'aime trop. Et c'est trop bien chez Kiabi, vous pouvez vous faire une tenue pour vos bébés, genre à 15 euros. Autre chose que nous avons pris, donc des choses utiles, des bavoirs. Parce que je vous l'ai déjà dit aussi, il en faut toujours, toujours, toujours. J'en ai déjà au moins une quinzaine, mais j'en ai repris 7. Donc pareil, de chez Kiabi. Voilà, c'est un bas. C'est un peu un leggings, le jogging.
avec les petits lacets pailletés et des petits rubans pailletés également. Donc voilà, celui-ci, je vous ai dit 8 euros chez Kiabi toujours. Hop. Donc tout ça, c'est la nouvelle collection de chez Kiabi. Dans l'ancienne collection, j'ai pris un Triggins pareil à 5 euros. Vous savez, c'est élastique comme ça. Hop. Donc un bleu, parce que je n'en avais pas de bleu de jean. Il est très simple pour faire comme maman. Alors ça, j'aime trop. Mais trop d'amour aussi. Mon copain voulait pas le prendre. Je sais pas pourquoi moi j'aime trop, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais du coup, arrivé à la caisse, j'ai vu qu'il l'avait mis dans le sac. Donc quand la dame l'a passé pour le payer, j'étais trop contente. Alors c'est un petit leggings qu'on a payé 9 euros aussi chez Kiabi. Alors il est jaune moutarde et le derrière il est juste sublime. Regardez. C'est trop choupi. Pensez à votre bébé quand il a une couche sur lui quand même. Il faut bien que... Bon, il faudra peut-être que je le repasse. Mais enfin, il est trop chou avec sa petite couche là. Il existe en toutes les tailles, bien sûr. Hein, donc, toujours dans les couleurs un peu bizarres, à l'entrée de notre Kiabi, il y avait plein de body. C'est écrit deux body et le troisième gratuit. En sachant que les body, nous les avons payés 3,50 € pièce. On en a eu un troisième gratuit. Alors, j'ai pris cela. Attendez, je vous enlève les étiquettes. Alors, celui-ci à petit pois aussi. Donc, c'est écrit mini pipelette. Voilà. Le deuxième, hop, toujours en 3 mois, gris et rose fuchsia. Et le troisième, encore une couleur un peu spéciale, du jaune moutarde. Ah non, c'est moins jaune moutarde quand même. Pareil, il faisait les pyjamas à 4 euros et le troisième gratuit. Donc on en a pris 3 aussi, ça valait carrément le coup. Donc pyjama à 4 euros. Alors nous avons pris celui-ci que papa il a choisi en gris chiné avec une petite écriture blanche et un cœur rose. Hop. Et sur les fesses, alors ça c'est le petit kiff de Kiabi en ce moment, c'est ce qu'ils font. Hop, c'est écrit Love. Voilà, la matière elle est moumou doudoune, enfin c'est super bien pour le temps en ce moment avec bébé. Deuxième pyjama que j'ai trouvé, c'est celui-ci, c'est un petit chat, il est rose pâle, voilà, il est normal, et avec écrit en anglais avec un petit cœur sur les fesses. Troisième pyjama, c'est un petit lapin avec écrit bisous, voilà, et sur celui-ci il n'y a rien sur les fesses. Par contre, les petits pieds, c'est des petits lapins. Pour 9 euros, ça fait très longtemps que je cherche ça. C'est un pyjama de pièces. Mais souvent, les pyjamas de pièces, ils les font à partir de 6, 9 mois. Tout dépend des magasins. Kiabi se font dévaliser en petite taille parce que c'est tellement pratique en fin de compte. Donc là, j'en ai trouvé un en 3 mois. Je suis méga contente. Je le voulais en rose clair, mais il n'y était pas. Je l'ai trouvé qu'en blanc. Mais ma foi, blanc, c'est mignon quand même. C'est un petit haut avec écrit My Little Dreamer, avec un petit nuage des petites étoiles. Donc sur le devant, ça se met comme un body. Hop. Et ensuite, vous avez le pantalon. Bah, le pantalon, quoi. Hop. Il est comme ceci, avec des petits nuages. Et vous avez des petites pressions sur le côté. Comme ça, quand vous mettez le pull, vous pouvez les fermer en mettant la petite pression. Mais c'est beaucoup mieux, surtout pour papa, pour la nuit. Je sais que c'est la galère d'enlever les jambes du pyjama ou quoi que ce soit. Là, on retire le pantalon, on change bébé et on n'en parle plus. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'un peu fou, puisque je vous ai fait une vidéo pareille la semaine dernière sur la collection de chaussures de Anna. On m'a dit qu'elle en avait beaucoup. Mais, encore une fois, une paire de chaussures chez Kaby, ça coûte 4 euros. Genre 4 euros, c'est rien les filles quoi. Donc du coup, papa a repris 3 paires de chaussures. C'est toujours des tennis, elles sont méga simples. Mais par rapport aux tenues, c'est beaucoup mieux de changer en sachant qu'on n'avait que blanc et gris. Nous avons pris des roses claires. Voilà, celle-ci elle est un peu plus foncée que la première. Oui, je sais, il n'y a pas grande différence. Mais pour papa, oui, parce que c'est lui qui a dicté aux vêtements et aux chaussures, en réalité, c'est lui. Et nous les avons pris en cannelle. Donc, celle-ci, on les a trouvées rayon garçon, parce que rayon fille, c'est que rose, blanc et gris.
Voilà. Pareil pour 4 euros. Hop. Donc ça, c'était la dernière paire. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, dites-moi, j'essaierai d'accumuler mes achats dans la semaine pour vous faire un haul en fin de semaine, par exemple pour le vendredi. Tout dépendra des achats que je fais aussi, hein. Je vais pas vous faire une vidéo pour vous présenter un pull ou une paire de chaussures. Ça sert un petit peu à rien. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Surtout partagez si vous êtes sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook ou Snapchat. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et on se voit la semaine prochaine.